Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Xian pour le cinquième épisode de Dead Island Definitive Edition sur PlayStation 5, les petits amis. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Alors, dans cette vidéo, j'avais l'intention de partir à la recherche d'une quête qui ne s'affiche pas sur la carte. Normalement, il va falloir que je longe ici la plage, donc on va y aller en courant très très vite, qu'on continue encore plus loin que là où on a commencé le jeu et qu'on se rende par là parce qu'il doit y avoir un bunker. Donc on va y aller tout de suite, immédiatement. Je me suis équipé de quelques armes là, j'en ai trois. J'en ai amélioré un tout petit peu, mais on n'est pas là pour ça. Faut vraiment qu'on trace. J'espère qu'au niveau endurance ça va aller. Oh my god! Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'il y a des zombies en train de se bouffer là, c'est ça? Il faut que t'arrêtes d'être surpris partout, toi. Une voiture, si on peut pas la prendre. Il y a des zombies partout, mais nous on va pas s'arrêter là. On va vraiment tracer. L'objectif c'est d'aller aider un mec dans un bunker. Alors qui dit bunker dit belle petite récompense hein, normalement si tout se passe bien. Ouais, toi je vais pas te fumer, je ne suis pas là pour ça, toi non plus. Ah mais on a de l'endurance là. Ça le fait hein. Donc là on a commencé l'aventure ici. Pourquoi j'ai un repère qui s'affiche là? Ok. C'est quoi la quête qui est déclenchée? Cocktail Molotov, d'accord. Moi je veux juste aller par là. Là-bas il y a de la... Ah, ça doit être ici. Bunker numéro 6. Ouais, et normalement il y a beaucoup de zombies dans le coin. Allez, vas-y. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce que je pourrais juste prendre la voiture ou pas? Non, je peux pas. Beaucoup trop de zombies. Voilà, beaucoup de zombies. Hop là, raté. Hop, raté. Ok. Ah, la patate de forain que je me suis pris là. Vas-y, y a moyen de faire le spécial ou pas? Y'a pas moyen. Là, y'a moyen. Voilà, ça fait plaisir. Ok. Ok, ça c'est fait. Ah, mine de rien, on s'est bien débrouillé là. J'arrive pas à looter ce qu'il y a dans ce sac, c'est normal ou quoi? Bon, ok. Rien d'autre par là? Dead zone. Y'a quoi? Il y a un truc sur les bunkers là, non? On va éviter de faire n'importe quoi, car là je vois des zones un peu noires là. J'ai peur que ce soit des zones un peu foireuses où on pourrait perdre la vie. Une bêche. What do we have here? Pied de biche énorme. Attendez, et là il y a quoi? Oh, ok. I didn't think anyone would ever find me. Here, I have extra ammo. You need it. Take it. It's the least I can do from what you did for me.
Take the keys to that SUV in front of the bunker. I'm staying right here, so I'm not going to be needing it. Ok, merci, ça fait bien plaisir. Munitions de pistolet. Ça, je vais prendre. Hein. Par contre, j'ai pas d'arme à feu sur moi, là. Il y a moyen d'en obtenir une ou quoi? Fermer la valve de vapeur. Ouais, je vais passer par là. Peut-être on va aller fouiller en haut, là. Donc des munitions, ça c'est vraiment cool. Ça on va pouvoir revendre. Alors je suis désolé, je te dépouille un peu de tes affaires mon gars. Mais ça fait plaisir, hein. Merci. Ok, et t'as pas d'arme à feu ici. Ok. Et là, ça fait quoi là ici? Y'a quoi par là? Donc ça, c'est l'entrée. Et si je passe par ici? Ok. Qu'on va tomber sur un coffre qu'on ne pourra pas ouvrir. Maybe there's something in here. Si, on peut tout prendre en fait. On peut tout prendre. C'est propre, c'est propre. Et par là, il y a quoi? Non, c'est pas exploitable. Ok, l'ami, t'es toujours là ou tu t'es barré? Je pense que tu as dû te barrer. Ouais, tu t'es carapaté vite fait, hein. Alors, peut-être explorer ici aussi, ça ce serait bien. On va retourner sur la plage, par là où on est venu. Et on va aller un petit peu explorer la première zone du jeu, dans laquelle on est allé récupérer je ne sais plus trop quoi. La carte d'accès dans le bungalow de Sinamoy. Il devrait y avoir des quêtes là-dedans. Si j'ouvre ici, il y a quoi? Un sac à dos et une serviette de plage. 16$. Le détergent qui va bien. On va garder ça au cas où il faille lancer un petit objet sur un zombie. Ah, je pensais qu'il y en avait un ici. Vous voyez, je me trompais un petit peu quoi. On va un petit peu fouiller ce qu'il y a. Ah, un petit coffre. Je prends. Allez, frappe-la. On va vous latter les mecs, on va vous latter. Un peu d'XP, je prends. Il y a des coffres là-dedans là, non? Je croyais. C'est une porte qui s'ouvre ça? Non plus. De toute façon je pense qu'en passant à côté des quêtes, ça va s'afficher.
va falloir vous calmer les mecs sur les attaques à plusieurs là, il va vraiment falloir vous détendre. Parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Ouais, on peut faire le tour par là. Quoi que je pourrais faire ça en live, hein. Franchement, faire le tour comme ça des îles, je pourrais faire ça en live, mais j'aurais peur de tomber sur des quêtes importantes. On va mieux éviter, hein. Bungalow numéro 7. Des valises. Il y a quoi par là? La falaise, la montagne, la plage. Tout ce que vous voulez, quoi. Là-bas, il y a l'air d'y avoir une quête par là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Un coup de poing, main nue, voilà. Did you see them? What the hell is wrong with them? Go around the side and I'll open the back door. Ok. Je viens de défoncer un troupeau de zombies. Bon, la porte ici ne s'ouvrira pas, on peut pas passer par là. Qui, toi? Take whatever you want. I gotta catch my breath. By the way, I'm Steve. Lifeguard came by. I think his name was Simba. No, Cinnamoy. Yeah. Said I should come with him. But the son of a bitch had tattoos on his goddamn face. I'm supposed to trust somebody like that? Look like a damn cannibal. So I stayed put. Thought I was better off on my own. Probably not the best decision I ever made. Je me souviens pas de lui. Je ne me souviens pas du tout de lui. Je peux rentrer ou pas là? Tu peux rentrer par là, non? Ok. If you can hear me. Did you make it to the bungalow? It's number 20. Remember? The insulin is in the bathroom. On the shelf. I need it quick, brother. Il y a plein de messages radio là, je ne vais jamais m'en souvenir. What's in here? Portefeuille. Ah là il y a de l'eau, je vais tout prendre tout ça là. Arrête de boire des canettes. C'est pas bon pour la ligne Xian, arrête de faire des bêtises. Oh décidément. Décidément. Ok. On va sortir, on va le laisser là, lui. Encore un mec de sauver. Ça, c'est pas un coffre par hasard, non. Où est-ce qu'on est? On va repasser par là. Niveau supérieur. Donc.
encore une fois un petit niveau, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. On peut ouvrir des coffres maintenant ou pas? Emplacement dans le sac à dos. Ah, ouais, le sac à dos. Très important. Rien par là. Continuons à fouiller. Beaucoup de zombards par ici là. Il se passe quoi? Non, je vais me foutre la paix. Merci. Qu'est-ce que tu veux toi? Bloody bright. Where the hell am I? Oh yeah, it's coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, huh? Think you can find me some more booze? I'll make it worth your while. Ok, donc toi tu veux de l'alcool. Definitely. Good. I'll wait here if you don't mind. I'm not really up to moving around. Oh, I just need a drink to get myself even. Find me a bottle or something. Ok, c'est bien noté. Tiens, prends de l'alcool. Good. I'll wait here if you don't mind. I'm not really up to moving around. Good. I'll wait here if you don't mind. Je crois que c'est une quête en trois temps, hein. Good. I'll wait here if you don't mind. I'm not really up to moving around. My stomach. Jesus. Ouvre-moi mon gars, ouvre-moi, dépêche-toi. I think I'm gonna throw up. Ouvre-moi, allez. T'es sérieux là? Pas envie de m'ouvrir un petit peu là? Et si je passe par l'arrière? Ah, oh, c'est pas possible ça. Y a pas de coffre, y a rien par là. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer. Je pense qu'il y a un truc par là. Ah, trouver l'ours en peluche. Ah, l'ours en peluche. Il a refermé le truc là, non? Ouais, il a refermé à tout jamais. Il va se goinfrer de son alcool là-dedans là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah oui. Ok, très bien. Je pense qu'il y a des zombies derrière là-bas, ça me plaît pas trop cette histoire-là. Ah, vas-y, casse-moi cette porte, Xian. Voilà, parfait. Par contre, referme-la, merci. Ah, ça, je me rappelle de ça. Blood. Blood everywhere. Kill the door! Ça, je me rappelle très bien de ça. Un taré là. Un taré qui retenait une femme prisonnière dans ce bungalow. Je m'en souviens parfaitement. C'est bon, Lucie, tu ne crains plus rien.
Voilà, l'ours, je peux le ramener. Anything will help. Oui, je peux t'aider, mais si t'es un mode psychopathe en train de te morfondre sur toi-même, je pourrais pas faire grand-chose pour toi. Tu veux que je t'aide ou pas? Blood. Blood everywhere. Bon, ça ne sert à rien de t'aider, toi, apparemment. Tu ne veux pas d'aide, donc je vais me casser. Il y a un autre bungalow juste à côté. Est-ce que je peux passer par là? Voilà. Ça, je prends. Allez. Direction Omar, Omar Tomer. Un truc comme ça, quoi. Je sais qu'il y a une mission d'escorte pas loin aussi. Mission d'escorte qui va nous donner notre première arme à feu. Oh, c'est quoi ça? Ça, je vais prendre ça, attendez. Je peux pas me débarrasser d'un autre truc là? Si, ça. Voilà. Come here for a second. Ah, tu m'as fait peur, mon gars. Tu m'as fait grave peur. Okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is and paid me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, okay, listen, if you get si me the veux, key, vas-y. We'll split the cash. Deal? Vas-y. Pas de problème, mon gars. Yes. Je vais t'aider. Good. Listen, he's hard to miss. Very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key, all right? Ok. Ça marche pour moi. Où est-ce qu'il est, le mec, là? Il est loin, il est tout là-bas. Je vais aller le chercher, le gars. Je vais aller le chercher, t'en fais pas. Alors, comment on y va? Je peux y aller vite fait en courant, là? Histoire de pas perdre de temps. Ok. Arrêtez d'essayer de me faire peur, ça ne marche pas. Toi, t'es en train de te faire croquer là. Qu'est-ce que tu me fais, mon gars? Qu'est-ce que tu me fais? Ok, il va falloir suivre les traces de sang. J'ai arrêté un truc là? Trace de sang, c'est par là. Donne-moi de la thune, petit zombie.
Attends, laisse-moi. Attends. Parce que je t'ai attendu, je t'ai entendu. Je peux pas me débarrasser d'un truc dégueulasse là. Ça, c'est quoi sa clé fragile? Oh, c'est quoi sa pied de biche faible? Vas-y, viens, Coco, viens. C'est pas grave, je me relève et je te finis, mon gars. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, maintenant, je vais retourner voir l'autre là-bas. Il n'y avait rien d'autre à looter par ici, là, non? J'ai raté quoi par terre, là? Non, c'est des armes... C'est des armes carrément nulles, ça. Bon, il faut retourner voir l'autre. Ah, oh, j'en ai marre de ce point, là. Ça ne me sert à rien. Il faut que je retourne voir lui. Allez, je ne m'arrête pas, je trace. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, là, j'ai une mission d'escorte à faire. Juste avant la fin de la vidéo. La vidéo va durer un peu plus longtemps que 30 minutes, je pense, hein. Ça va devoir s'éterniser un petit peu légèrement. On est juste à côté. Allez, vas-y. Je suis pas tranquille, hein, de savoir qu'il y a plein de zombies de partout ici, là, dans le coin, là. Je suis vraiment pas tranquille, quoi. Let's keep moving, amigos. Ok. Je peux fouiller partout là? That's it. Yes. Muchas gracias, amigos. All right, here's your cut. Ok, merci pour l'XP, merci pour l'argent aussi. Amigos, I hear there are more survivors at the lifeguard tower. Exactement. Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon. Promise. One shot takes down a mob of those pendejos. Ouais, ça je veux bien prendre ça. Ouais. Of course. Allez, vas-y. Mission d'escorte, vas-y. Mission d'escorte, on va se faire plaisir. Vas-y mon gars, on en a pour 5 minutes au moins là. J'espère que ça va le faire. J'espère que tu galopes parce que là j'ai sorti ma meilleure machette. Et la mission se terminera lorsque j'aurai récupéré ton arme à feu. Donc vas-y, s'il te plaît. Oh là là, ça va attirer tous les zombies qui courent et tout là. Voilà, allez, ça dégage. Quand tu peux pas courir un petit peu? Non, tu n'as pas envie? Parce que ça, c'est pas cool, hein. C'est où d'ailleurs le poste de soft? Il est là, ici, là. C'est quand tu veux, mec. On est à 160 mètres, là. C'est quand tu veux. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait bien plus plaisir, ça. Vas-y, trace ta route. Trace ta route. Ouais. Là, tu me fais plaisir. Voilà, une en moins, toi tu ne me couriras pas après. Ouais, vas-y. Vas-y, viens. Voilà. C'est bon, t'es safe pour l'instant. Allez, vas-y, mec, tu t'appelles Omar comment? Omar Torres, ok. Est-ce que je te passe devant pour voir s'il n'y a pas un petit zombie là? Attends, laisse-moi passer. Voilà. C'est bon. Tu te sens en sécurité ou pas là? On se rapproche de chez Cinnamoy.
Les petits amis, première arme à feu, ça fait trop plaisir. C'est comme ça que va commencer notre épopée. Alors, je pense que dans l'acte 1, hein, de mémoire, il n'y a pas beaucoup d'armes à feu. À partir de l'acte 2, il y en a un tout petit peu plus. Et dès l'acte 3, dans la jungle, ben, ça pullule dans tous les sens. Hein, vu qu'il y a des soldats guerrieros là, qui ont attaqué la carcasse de l'avion et tout. Ça fait super plaisir. Allez, vas-y, viens. C'est pour moi, tout ça. On s'enferme ici. Une petite canette pour la forme. Ça fait plaisir. Gracias. Hey, I always remember my amigos. Merci, merci, merci. Attends, par contre, pour ton flingue, là, deux petites secondes. Faut que je fasse un truc, là. Ça, je peux m'en débarrasser. 39. 39, 39, 33. Ça, je peux le jeter pour l'instant. Ouais. Par contre, c'est niveau 10, hein. C'est niveau 10. On peut aller rendre une quête ou pas? La quête du nounours, on peut la rendre ici? Ah, la quête... Attendez, je me suis trompé. C'est pas ici la quête? La quête de l'ourson en peluche, c'est où? Je croyais que c'était ici. Ah non, c'est une nana qui est dans un bungalow, là. Je peux pas y aller vite fait, là, non? Alors, on fera ça dans la prochaine vidéo. Ah, c'est pas grave. Les petits amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Salut à tous, et moi je vais aller checker mes armes un petit peu. Allez, bye.